On va travailler aujourd'hui sur la question de l'alimentation. Donc parce qu'on s'en rend pas compte, mais finalement, bah manger, ça pollue aussi. Alors, c'est compliqué, mais vous allez voir, on va en discuter. On va faire un jeu qui s'appelle le jeu de la ficelle. Et suite à ça, on va réfléchir un petit peu à comment est-ce que nous, en tant que, en tant que personne, et vous, en tant que jeune, on peut essayer d'améliorer un petit peu les choses à ce sujet. Pour travailler sur cette question-là, je vais vous distribuer à chacun une identité. Donc, je vais vous distribuer une fiche personnage. D'accord ? Donc, quand je vous la donne, cette fiche personnage, vous la gardez surtout pour vous. D'accord ? Donc, il ne faut pas que vos voisins, voisines la voient. Okay ? Donc, vous la lisez tranquillement. Et moi, je vais passer, et peut-être avec votre professeur aussi, pour voir si vous avez bien compris quel personnage vous êtes. Donc, c'est vraiment, il faut vous approprier ce personnage. Vous allez devenir ce personnage pendant quelques temps. Je suis un beau, gros morceau de bœuf. Je contiens beaucoup de graisse, ce qui n'est pas bon pour votre corps. En grosse quantité, je deviens néfaste pour votre santé. Pour me nourrir, l'éleveur me donne beaucoup de soja et de céréales, qui viennent souvent de très loin. Il faut que je mange 7 à 10 kg de céréales pour produire 1 kg de viande. Alors qu'on aurait pu les manger, nous, ces céréales. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est une première problématique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent lié au bœuf? Allez. Qui es-tu, jeune homme? Moi, je suis une crevette de la mer du Nord. Oh, la jolie crevette. Alors, qui es-tu, petite crevette? Bah, je suis plus rare qu'avant, mais on me trouve encore. Ah. Je n'habite pas très loin de chez vous, mais j'ai beaucoup voyagé pour rejoindre votre assiette. Pêché à la mer du Nord, je suis ensuite envoyé par la route jusqu'au Maroc pour être décortiqué. C'est que les travailleurs y coûtent moins cher. Et tant pis pour les kilomètres que feront mon camion pour le retour en Belgique. On y fait pousser du soja et des céréales, mais ce n'est pas pour nous nourrir. Ces céréales sont transportées vers les pays d'Europe et les États-Unis pour donner à manger au bétail, vaches, porcs, etc. Si toutes ces céréales étaient destinées à l'alimentation des humains, on pourrait donner à manger à la population entière de la Terre. Pourtant, chaque jour dans le monde entier, 12 000 enfants de moins de 5 ans meurent de faim. Moi, mon problème, c'est que déjà, je vis dans un petit appart. Ouais. Je suis au chômage et j'ai pas assez d'argent et j'essaye de payer tout le moins cher possible exemple j'achète des pizzas à 2 euros, les lasagnes à 4 euros le kilo et les glaces aussi c'est pas cher mais tout ce qui est bio, tout ce qui est de produits luxe et bio, pour moi c'est pas possible.